Bernard. C'est Bernard. Elle a dit bonjour, bah oui, il a pris tout. Il pense qu'à ça pour dire bonjour. Ah bah c'est ça, c'est ça. Ah, faut pas avoir peur, hein. Non, il n'y a rien, il n'y a plus de pile. Il a pris l'énergie. Il a pris l'énergie. Il a fait un bonjour et puis voilà. Pourtant, je vais facilement une journée avec. Ah ouais, ouais. Oui, mais c'est normal. Non, mais c'est normal, mais moi je suis pas choqué dessus, c'est normal. Non, c'est une réaction. Il prend l'énergie, moi je préfère qu'il prenne là que sur moi trop. Mais c'est vrai, quand t'as ça, je vais. Pour ceux qui connaissent pas, tu es saisi, tu vois. Comme dans les films. C'est les piles qui sont. Non, il n'y a plus de piles, il n'y a rien. Il n'y a plus de batterie. Toute l'après-midi, il y a été. Il y a bien un moment où c'est comme le téléphone. Tu joues beaucoup avec, il y a un moment où il faut le rebrancher. Il est débranché. Salut Bernard. Il ne faut pas être surpris, il n'y a pas de. Non, il passait par là, tout simplement. Ouais, ouais. Voilà, il l'a montré. Puis c'est Il faut recharger. Donc peut-être expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Juste avant. Ouais. Tu remets en route là. J'ai pas coupé. Comme ça, les gens voient qu'il s'est passé quelque chose quand tu as parlé. Je dis que le phénomène. Voilà. Ah d'accord. Tu me dis quand je peux parler. Vas-y. Ah, ça tourne. J'ai pas coupé. Comme ça. Je peux parler. Voilà. Ici, il y a eu Bernard qui nous a fait un petit coucou, mais apparemment, il a pris toute l'énergie. Donc Fifi a dû changer, voilà. changer la lampe. Donc c'est Bernard et voilà, il est passé pour dire bonjour et tout s'est éteint et nous revoici et nous revoilà. On est reparti. Donc on va continuer. C'est fou, mais Bernard il est parti. Hein. Ça c'est simplement pour faire coucou. Je vais voir si Arlette elle est encore là. Arlette, vous êtes toujours là? Elle a eu une petite cousine décédée aussi, Arlette. Oui, je ne connais pas beaucoup. Non, mais elle est morte, ouais, une petite cousine. Mm. Un petit peu plus jeune qu'elle. Hein. Oui, on en a eu, mais... Oui. Mais bon, moi, elle le dit, je ne peux pas les envoyer bouler non plus. Ouais, non, c'est ça, je ne peux pas prévenir. Tu ne pourrais pas avoir sa maman ou quoi? Attends, si elle ne veut pas venir, elle ne viendra pas. Ok, d'accord. Je vais essayer, Arlette, ça te prête la maman de Noëlla. Noëlla. Arlette, donc elle m'a dit non. J'ai eu la possibilité d'avoir Marcella. Apparemment non, parce qu'elle a dit non. Ils sont pas ensemble alors? Non, là il y a quelqu'un d'autre parce qu'elle est partie. Est-ce que vous avez quelque chose d'important à dire à Noëlla et Martine? Ah, ils disent déménager. Ils me parlent de déménagement. Ça parle de ça. Donc j'ai demandé s'il y avait quelque chose d'important pour vous. Ils m'ont dit déménager. Vous voulez habiter ici, peut-être avec votre fille? Non, j'ai mon appartement. Qui? Mais oui, mais il y en a bien une. Ah, mais toi, tu voulais avoir une maison ici à Sauvignon? Oui, moi, oui. Ben oui, parce qu'on me dit que vous vouliez habiter ensemble, rester ensemble, en fait. Non, je ne saurais pas rester ensemble. Non, pas ici, mais ici, tout près. Se rapprocher, voilà. Se rapprocher, un déménagement, c'est ça, ouais. Donc là, tu auras ton médicament, il sera efficace, hein, donc ne te tracasse pas. Comme ça, tu es à l'aise. C'est qu'on entend ça. Ouais. Arlette, je vais vous demander quelque chose. Vous connaissez bien Gustave. Dès jeunesse, il commençait, c'est comme lui, quoi. Oui, c'est ce qu'elle me dit. Oh, que oui. C'est bien ça? Oui.
Oui, ça, il gardait tout. Il gardait tout. Je vais essayer de l'appeler quand même. Gustave, vous êtes ici? De quoi je me mêle? Je me mêle de ce qu'on m'a donné avec mon dos. J'en profite. Si Dieu me l'a donné, voilà. Vous avez quelque chose à dire? C'est un gros mot. Oups, là je ne le dis pas non plus. Gustave, de toute façon, on va vous aider à rejoindre la lumière. Comme ça, vous laissez tout le monde tranquille et vous aurez votre âme en paix. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Vous partirez, vous allez laisser les gens tranquilles. Dit attention, elle ment aussi. C'est 50-50, on va dire. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. C'est qui est là? Ça, c'est Gustave. Tu veux me dire quoi? Ah, il dit d'arrêter. Quand il dit d'arrêter, j'arrête. Okay. Voilà. C'est pour pas qu'on compte trop l'énergie et tout. Ouais, donc, je préfère écouter. Même peut-être pas les énerver dans leur truc. Voilà. Ok, Gustave, je te remercie. Ouais, merci beaucoup et merci. Voilà. Merci Arlette. Voilà. Merci, donc en fait le vrai message qu'il y a là-dedans, c'est Arlette pour ton cancer qui va revenir, mais tu vas le prendre à temps. Hein. Pourquoi? Parce que je t'ai prévenu. Voilà. Donc ce que tu fais, fais-le. Hein. Franchement, fais-le. Hein. La semaine prochaine, tu prends déjà rendez-vous, même s'ils disent que tu n'as rien. Dans un mois, tu retournes. Fais-le. Ouais. Tu verras. Comme ça, ils verront tout de suite la petite tâche et vont tout de suite le traiter. Tu t'attends. Voilà. Si tu t'attends des mois et des mois, ils vont dire on ne peut plus rien faire. Et là, voilà, là, c'est vrai. Ouais. Mais de toute façon, tu seras pris en main et tu ne te casses pas. Et le jeu le normand, c'est celui. Enfin, j'ai pris le nouveau parce que j'en ai un nouveau. On m'a offert parce que j'avais jeté les anciens, mais j'ai encore des anciennes. C'est celui que j'utilise, c'est le petit de Normand. Et ça va très bien. Je veux le petit de Normand. Donc on va mettre la consultante. Toc, 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 toc. Tu penses bien à ta question. Voilà. Pour la vidéo, ça va pas déranger la musique. Non bon. Voilà. Ouais. Tu croises pas les jambes ni les mains. Ça arrive pas. Alors la main n'importe laquelle, la gauche ou la droite, moi ça ne compte pas. Donc vous dites votre question et vous coupez en même temps. Oui. Bah oui quand même, hein, que je puisse être guidée. Ouais, que ça aille tout pour ma fille et pour moi. Est-ce que ça va aller pour moi? Va l'entre. Il dit que ça se merde. C'est top, top. C'est bon. C'est le con. Je sais pas qui des deux demande de l'argent, mais on lui demande de l'argent. Oui, faudra stopper. Hein. Faudra stopper ça, vous êtes trop bonne. Hein. Ça. Faut arrêter ça. Il y a un moment, il faut dire stop. Faut penser à vous. À toi, Nella. Ouais. Tu sais, quand on veut aider, on veut aider, mais il y a des limites. Voilà. Vous n'avez qu'une fille. Vous avez un garçon. Cinq garçons. Donc c'est un beau fils qui demande de l'argent. C'est l'entre-deux le plus jeune. L'entre-deux. Je les vois un peu comme les Dalton en fait. Vous comprenez? Donc c'est le plus petit qui demande. Le plus. Avant ils m'ont demandé, maintenant. Mais il va revenir. Non, il va revenir. Il va revenir. Il y en a un qui boit beaucoup. Hein. Ah oui, ça. Il boit extrêmement. Non, mais c'est lui qui va venir. C'est lui qui va venir, celui qui boit. Alors, il joue dans des jeux.
Il va jouer, il va dépenser les sous dans les jeux. Il dépense l'argent comme ça, dans le vent. Oui. Vous avez déjà eu des disputes, vous n'avez plus parlé pendant un moment, hein, d'accord? Bon, et après, ça vous fait de la peine, c'est vous qui faites toujours le premier pas. Alors, pour ça, je vais le poser moi-même. Tu as demandé ici pour toi. Et chose, parce que ça n'a pas sorti dans le jeu, ça a sorti ton fils. C'est pour ça que je t'ai demandé si c'était rien. Enfin, bon, il peut l'enlever si. Je vais le demander moi-même et je vais couper. Est-ce que ça va aller? Ça, c'est moi qui le fais. Est-ce que ça va aller pour Nala et Martin dans cette maison? Ça pour le confesse? Non. Donc, Noël, Martin, pour sa maladie, regarde, il sera guéri. Quand tu l'auras, tu t'es pris à temps, donc ne te tracasse pas. Et ça va aller, ça va se remettre. Donc, je vais mettre les cœurs. Non, j'ai fait une bêtise. Ouais, mais c'est rien, j'en reviens en arrière. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Pas grave, j'en prie, c'est comme chez toi. Et n'oublie pas, je suis chez Nol. T'inquiète, j'oublie rien. Alors. Vous ça, Candy. Ouais. Par contre, il y a un de tes garçons qui débrave. Hein. Et moi, ah, tes fils, le plus âgé. Le plus âgé, hein. Un brave garçon, le. Ouais. Il est plus brave que les autres. Il est rentré il est plus facilement, gentil, ouais. Il est plus fort, il est plus grand gars. Ouais, je ressens ça, hein, d'accord. Donc voilà, donc c'est pour moi cette plus jeune, hein, qui. Ouais, vous allez encore apprendre des frivolités, des choses qui se sont passées et tout. Voilà, c'est parti. Ouais, mais donc c'est celui qui boit beaucoup, il va venir, hein, d'accord. Alors, avec vous, ben. Ça va se remettre, mais je vais voir ce qui tombe en secret, là. Faites attention à votre argent quand même. Il insiste avec l'argent. Ouais. Il insiste. Faites attention avec votre argent. Là, faites attention. Se remettre ici, ça va se remettre. Hein. D'accord? Peut-être Martine, dans ton moment de maladie, tu vas attirer. Ah oui. Je vais te le dire, donc tes miroirs bien ouais. Cachés ou les enlever, tu fais ce que tu veux, hein. T'es chez toi, hein, c'est normal. Ouais, ouais. Mais tu seras quand même affaibli, hein. Mais tu vas guérir, ne t'inquiète pas, hein. Si je te le dis, je te le dis. D'accord? D'accord. Et c'est là que tu vas être plus faible, que tu pourrais réattirer une entité, là, tu dirais une entité, quoi, tu vois. D'accord? D'accord. Parce qu'avec tes médicaments et tout ça, on délire et tout, on est plus fragile, hein, voilà. Il y a eu voilà. Ça. Mais de toute façon, ça diminue, ça s'en remet. Ça se recoupe, mais le coupage, ça veut dire c'est de l'argent qu'on veut vous prendre. Quand ta sera en maladie, on va profiter de vous. Ah, pendant qu'elle n'est pas là, ah, voilà. Il y a l'âge qui va venir voilà. Pour voilà. Essayer. Parce que voilà. Toi, à mon avis, tu protèges vraiment oui. De tes frères. Oui. Et de donc, vu que toi, tu ne vas pas être là, voilà. Maman est tiens, tout seul. Tiens, prends ma place, je t'en prie. Non, je rigole. Non, mais j'essaye de faire comprendre. Mais non, tu vois, ça va, c'est bien, oui. C'est mieux expliqué comme voilà. Ça. Ouais. Mais, donc. C'est de l'argent, c'est pas un de mes enfants. Mais je vous dis, c'est un qui boit. Il y en a un qui boit. Ah, c'est Jean-Marie. Ça. Qui vient demander de l'argent. Mais ça fait chez moi qui les dit non. Ouais, mais vous avez intérêt parce qu'il revient à la surface et vous donnez. Hein. Soyez forte. Hein. Soyez forte, hein, parce qu'il connaît quand même un petit peu comment vos heures et tout ça. Faites attention, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Il n'y a quoi pas laisser traîner d'argent, hein, vous alors. Allez faire un court séjour à l'hôpital, mais rien de grave. Vous ne tracassez pas, il n'y a rien de grave. Mais c'est court, hein. C'est court, hein. C'est rien de grave. D'accord? Ouais. Ouais. Je vous vois dans un bâtiment, c'est court et il y a le soleil. Le soleil, ça veut dire que vous allez reprendre des forces. Même s'il y a quelque chose derrière, vous allez reprendre des forces, faites-moi confiance. D'accord? Bien sûr, je ne dis pas que vous allez de Marilyn Monroe ou chose, bien sûr, mais vous serez mieux. Je sais que je vais aller voilà. À l'hôpital. Mais ça va aller, c'est court. Ne tracassez pas. Et alors ici, de la peine, de la peine, de la peine.
Bah, il y a un de vos fils, oui, qui vous parle quand même un peu moins, hein, que ça fait de la peine pour lui quand même. Oui, mais... Qu'il n'est pas reconnaissant de ce que vous faites. Un de vos enfants. Jaloux, non. C'est peut-être celui qui va demander de l'argent. Mais là, c'est... Non, 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 non. Il ne demande jamais, il travaille. Ah, ouais. Mais non, c'est quelqu'un proche de vous. Une amie. C'est une amie. C'est une amie. Elle vous a trahi. Dans le temps, elle vous a trahi. Vous lui avez pardonné. Oh, mais je pardonne tout le temps. Faut arrêter tout ça, parce que ça ne m'étonne pas que vous êtes usée. Je pardonne tout le temps. Mais elle, vous lui reparlez, là. Parce que ça revient. Vous verrez, vous, peut-être je la prendrai ou je ne sais pas qui vous le dirait, je ne sais rien. Oui, elle est revenue. Elle revient, elle revient. Peut-être. Voilà, elle revient. Peut-être. Parce qu'il y a quand même eu des peines. Hein. Elle a eu des peines de vous avoir trahi. Ouais. C'est ce que les cartes elles disent. Hein. C'est une blonde. Elle est châtain, allez, on va dire elle est châtain. Oui, oui, je vois si vous préférez, bien. Voilà. Oui, c'est une dame qui aime bien être coquette, hein. Déjà étant jeune, elle est coquette. Ça va? Donc, dans les cartes, moi, ce que je retiens seulement, c'est l'argent. Hein. L'argent et l'hôpital, ça va très très bien. Donc, vous tracassez quoi? Ça va? Moi, je prends tout ça. Voilà. Vous n'avez plus rien demandé? Ah, ben, voilà. Comment tu fais? Voilà, comme ça, vous avez un petit aperçu. Mais ça, c'est que minime. Hein. C'est 10 minutes de jeu. Hein, que logiquement, c'est une heure et demie. Ah, bah oui, hein, y a la roue de 21h15. Alors, on n'en finit plus. Moi, j'ai une roue aussi pour mettre sur ça. Et le mettre pendant la loupe, si j'en ai un, si je pas. Un tarot, le tarot. Avec des grandes cartes. Ouais, c'est pas le tarot. Tarot de Marseille, il en a un. Marseille, tu penses ça. C'est des grandes cartes. C'est des grandes cartes. Moi, j'ai une chaîne exprès. Vous faites les cartes. Non, non, je m'amuse. On s'amuse pas avec les cartes, madame. Oh, non, alors. Voilà. On s'amuse pas, comment c'est. On y va. Alors si vous êtes ici présent, il est grand temps de montrer vos fesses. Parce qu'on a assez perdu de temps là. Alors vous nous dites qui vous êtes. Il va falloir commencer à parler. Alors je vais vous demander une chose, c'est de parler sincèrement, franchement, et nous dire ce que vous voulez. Pourquoi vous restez ici? Pourquoi embêtez-vous ces dames? Je vous écoute. Parlez si vous en avez. Fort. Je vais vous faire partir d'ici. Le petit son. Je vais vous faire sortir de la maison.
Alors si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Dites-le maintenant. C'est qui est plus puissant? Parler à la nuit aussi.
Ouais, j'ai plus, là. Est-ce que vous connaissez Gustave? Vous connaissez Gustave? Combien là avec nous dans la pièce? Donnez-nous un nom. Je pense que c'est Victor. C'est trop beau. C'est trop beau. Je pense, hein. Vous parlez de Luigi? Il y a quelqu'un qui dérange à la table ici. Un ballon. Il y a quelqu'un qui dérange à la table.
C'est là, c'est toi qui es là. C'est toi qui viens d'allumer le câble. Le truc. Oui, le truc. Refaites-le, allumez le câble. Le petit boîtier. Merci, elle passe pas au boîtier là, tu vois. Vas-y. Allumez la petite boîte ici. C'est qu'est-ce qui vient de faire allumer le cadeau il y a deux minutes? Marcella. C'est ça Marcella. T'es bien avec nous Marcella. C'est qui est là? C'est quelqu'un de la famille? Faites-le, allumez-le. Je tiens ici dans la main. Il y a une fraîcheur, hein, je trouve. Non, mais pas. Je dis,
petit. Maman. Salut. Maman, elle s'est toujours occupée de toi, hein, Rudy. C'est toi qui protèges maman maintenant, Rudy. Écoute, Mika. Est-ce qu'il y a un Léon parmi vous, s'il vous plaît? C'est ça, maman. On vient rendre. T'es médium ? Ouais. Moi j'ai compris ça, je crois. Oui, je suis médium. Elle a fini une petite fille à parler. Ouais. Vous voulez parler à Myriam ? Myriam, elle est médium ? Dans l'écriture automatique. J'ai bien mal pour quelqu'un. Oui. Là, en dessous de moi, je te dis, je suis prêt. C'est là-bas. Il n'est pas ici. Il est en direct, il est humide. Ça vient de là. Vous êtes ici. Il y a bien quelqu'un dans le couloir, hein? Ben oui, je crois que c'est... Ben oui, ben moi, c'est mal, non? Ça vient comme ça. Ouais, moi, je suis là-bas. De toute façon, ça, ça va... Il y a quelqu'un à l'entrée. C'est du staff qui veut que j'aille au WC. On se me regarder. Là, il veut peut-être dire quelque chose. Hein.
Les amis, vous constaterez que pour la deuxième fois, ce phénomène de panne de batterie nous arrive. Car d'habitude, je tiens une journée entière avec mes panneaux LED. Comme vous le savez, les entités ont besoin d'énergie pour pouvoir se manifester. À vous les amis de vous faire votre propre opinion. Nous continuons l'enquête. C'est qui vient d'éteindre la lampe? C'est qu'est-ce qui va éteindre la lampe? C'est pour de l'énergie, mais par le dos aussi. C'est pas c'est lui, la lampe. Il y a une réponse. Ah, c'est ça qui m'a fait encore venir. Ouais. Je demande une réponse. C'est de l'énergie qui vient ici, hein. Ouais. C'est pas vous, hein. C'est... Alors, vous pompez l'énergie. Donnez-nous quelque chose en échange. Merci. Parlez-nous. Donnez votre nom. Il y a quelqu'un qui dérange à cette table. Est-ce que vous êtes Sylvana? Est-ce que vous êtes Rudy? Faites l'inventaire qui boit ici ou dites-le. Simplement si c'est quelqu'un de la famille, tu vois. C'est quelqu'un de la famille. Ils sont pas tous. Hein? Ils sont pas tous de la même famille. Ah ouais. Je vais jouer. C'est la femme de la famille. Est-ce que vous faites partie de la famille de... De Noëlla et de Martine. Je me répète, est-ce que vous faites partie de la famille... Est-ce que vous faites partie de la famille de Martine ou de Noëlla? Encore 2 minutes après, sinon on coupe, hein, si vous parlez pas. Si vous voulez parler, c'est maintenant. Autour de la table, vous vous aurez sur l'écran. Quelqu'un d'une. Ouais, c'est la seule vie. Ah ouais, je le sens. Ouais. Tu sais rien là. Mais là, ça m'empresse. Moi, je suis de mon côté. Alors, je sens aussi. Je la vois de ma main. C'est toi que je sens? C'est lui, ça.
non. Dernière fois. À ma... Rien qu'à ma pomme, même pas à mes doigts. C'est pas parti. Tu vois rien, Pipi? Allez, là, je sens de plus en plus. Je vois le squelette, le Nubien. Sur moi? Ouais. Ouais, mais je le sens. Je le sens. Non, 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 c'est ton squelette à toi. Mon squelette. Oh. C'est... Non, parce que je pas la boue, ça me fait. Elle est prête. Tout est prête. Il y a quelqu'un qui touche ma main. Il y a quelqu'un qui dit elle est prête. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a dans les mots. Ouais, ouais, je prends la... Il y a quelqu'un qui touche ma main. Non, pas, j'ai été fait dans le dos. Dans ma fille, je ne prends pas ma tête de dos pour prendre une petite main. Ah, ah. C'est quelque chose pour toi, Ah ouais, ma main, je sens. Ouais, ouais. Ouais, il était sur la table. Il y a quelqu'un qui touche ma main? Il était sur la table. Il était sur la table. Comme une autre chose qui t'en touche. Je l'ai dit dans le chat. Vous pourriez vous manifester? Toucher la main de Jonathan. Attends, je l'emmène. Je ne sais pas comment tu as dit. Je l'ai dit dans le chat, ça va aller loin. Justin,
dans tous mes mains. Et on dirait que j'ai mes doigts bloqués. Comme si j'ai une main dans ma main. J'ai enlevé ma main. Vas-y. Là, c'est comme si on tient et sans tenir en fait. Non, c'est pas ce que j'avais. Ah, non, c'est comme ça. Et petit à petit, mes deux doigts là, en fait, ils s'écartent. Tu vois ? Ah, vous voyez, tu vois, j'ai ça ici. Ouais, il est petit à petit, mes deux là. Ah oui, hein, le petit traitement, c'est ça. C'est bon, il n'y a pas de petit traitement. Il n'y a pas de petit
table, s'il vous plaît. Est-ce que c'est quelqu'un de ma famille à moi? C'est vous, j'ai les petits écrans gris, là. Est-ce que c'est en lien avec moi ici? Faites aller le cadeau. On va vous laisser. Et merci pour vos réponses. Ouais, merci. Merci. Ouais. On va communiquer autrement, on va essayer. C'est des petits coquins quand même, hein? Quand ça veut pas, on a du pipe. Bien. C'est dingue, hein? Les gens dehors, ils doivent voir des phares partout dans la maison. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ah ouais, c'est pas nous. Esprit. C'est le ramadan. Je rigole. Le ramadan. Noël, là, elle dormirait bien dans son petit lit. Alors, il y a quelqu'un ici? Bah, vous allez nous le prouver, hein? Essayez, venez, approchez des deux appareils ici. Tout à l'heure, vous étiez près de Joe. Mais ici, tout près. Approchez. Dansez. Voilà. C'est juste là. C'est loin. En dessous de la table, par contre, je sens que ça fait de la froid. Mais je te l'ai dit. Allez, la santé. Non, ça veut la prendre sous la table. Donc il y a bien quelqu'un, est-ce qu'il y a eu un petit fantôme de... Très bien. Je sentais, et je sentais Médio qui s'écartait, tu vois. C'est dingue, hein. Ouais. C'est pas quelqu'un et... de famille avec toi, mais... Je sais pas, mais après on a entendu Philippe, bon, c'est peut-être pas moi, mais je sais que mon père s'appelle Philippe. Ouais. Mais je connais pas, moi, là, Philippe. Mais c'est, ça non. Peut être son papa, quand ça peut être son, mon beau-frère. Ah, si. Ouais, voilà, il y a un cousin et aussi. Ça et non, qui... Ouais. Et après, j'ai senti Médio qui s'écartait. Bah, c'est la première fois que ça le fait. Ah, bah, c'est lui mais on m'a, c'est comme si on me touchait. Regarde ici, mais... ici, je vois le squelette de la dame. Ah, ouais, je vois, ouais. Ah, ouais, je vois, ouais. Et donc, quand il n'y a rien. Et toi, exemple, et toi, tu étais là, et le squelette était là, soit. Ouais, t'es à côté, ouais. C'est peut-être ton papa qui t'a tenu la main. Hein. C'est pas, peut-être. Bah, mais j'ai... ça m'a pas serré, c'est à peine. Ben oui. C'est à peine que je touche toi, il m'a c'est pas enfoncé. C'est à peine, si tu vois, ça touche à peine. Et il n'y a rien que ma pomme, en fait, qui avait le. Que je sentais un petit peu froid, mais ça. Je sentais une petite graisse froide, là, tu vois. Mais léger. Mais pas mes doigts. Que à ma pomme de ma main. Ça a commencé par là. Et après, petit à petit, ça m'a envahi. Mais c'est resté que là, ça n'a pas touché mes doigts. Et mes doigts, simplement, ils s'écartaient. Ton papa. C'est tout. Possible. Ton papa, c'est possible. Bah, il aurait pu parler. Ouais. Bah, il a dit Philippe. Ah, il dit Philippe, ouais. Bon. Philippe, ta main, pour moi, c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais, c'est peu, mais c'est vidéo beaucoup. Quand si ça correspond dans le même mouvement du truc. Ouais. Est-ce que vous voulez de l'aide? Essayez de faire clignoter un de deux appareils ici. Et c'est ton truc qui vient de faire ça? Je suis en train de débloquer. Ta lampe, c'est normal. Non, j'ai vu un truc blanc, ça fait ça. Et... Ici, sur ma jambe? Ouais, à côté de toi. Mais je crois que c'était le reflet, peut-être de la lumière du truc, tu vois. Non, ben non, la lampe est fermée. Non, mais c'est pas une petite lampe comme ça, c'est un rond comme une lampe torche. Ouais, ouais. Un rond, toi, t'as les ronds, la lampe torche, quand t'es près d'un mur. Là. Ouais. Ben ça fait elle ça comme sur et moi. Ici, hop, côté. Non, regarde, il y a le. Et c'est pour ça que je me suis retourné, je crois que c'était le capteur petit du. Le petit témoin. Qu'est-ce que je fume, putain? Ça va me prendre un rigou 6. Ça t'en a marre. J'en ai marre de fumer, putain, je pourrais arrêter, je te le dis.
C'est pas bon pour les poumons, hein. Ouais. Ça va, ça. Ouais. C'est mauvais pour les poumons, moi. Allez, essayez de bouger un des deux appareils, s'il vous plaît. Attends, laisse-moi une petite passer. Mais c'est chéri. Ouais. Oh. Oui, je sais même... Regarde la kinette. Comme tu veux. Voilà. Là, pour la queue. Tu me fais voir après comment ça marche, ce bonheur. Ils m'ont parlé, Luigi, sur la route. On arrête ou quoi, là? Ou on laisse continuer? Tommy? Tu dis pas bonjour. Il y a un truc tout près du... Quoi? Il y a quelque chose, là. À côté? Viens ici. Près de toi, au-dessus de toi. Au-dessus? De moi? Oui, au-dessus de toi. Regardez. À côté, ouais, ouais, viens voir. Ah, parti. Ah, j'allais dire, touche ma main. Donc il y a bien quelqu'un dans cette pièce. Ah, non, non, c'est toi, c'est toi. Ah, ben il y a quelqu'un, ouais. Il y a quelqu'un près de vous. Et je sens mon... Ah, ben non, c'est la petite. Ouais, bah c'est la petite, oh, il l'avait pas vu. Personne? Ça enregistre aussi, ça? Je sais qu'il y a bien. On dirait qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose sur la table. Il y a quelque chose sur la table. Près de la boîte de lait. Ouais. Mais attention, il peut avoir des reflux, n'importe quoi. Ça, je te jure. À côté de ma main, puis vers la gauche. Il y a des bras. Faut que tu avances ta main. Encore un petit peu sur la droite. À la droite ici. J'ai un petit cordeur là. Je te jure, il y a quelque chose. Non. À droite. À droite, c'est là. Ah ouais, à droite, à toi. Mais oui, voilà. Mais là, t'es juste dessus. Ouais, il touche. Il touche. Ouais. Là, ouais. Je sens. Ça fait un battement au milieu. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un sur la table. Ouais. Yeah. Ça fait un battement à ma peau. Gustave, si c'est toi, lève tes deux bras. Lève tes deux bras en l'air. Allez. C'est un peu n'importe quoi, hein, une fille. Ouais, c'est n'importe quoi. Bah, c'est peut-être un enfant. Mais sur notre gueule, hein. Tu filmes, là, non? Ouais, j'ai pas coupé, moi, j'ai rien coupé. Il y a quelque chose sur l'ensemble, c'est pas possible. Non, mais non, c'est le squelette. Ouais, c'est le squelette de... De Miss. C'était son squelette à elle? Non, ah. Non, gars, ah. Il revient? Ah. Non, c'est ça. À côté de Jonathan, c'est Jonathan, ouais. Ouais, on voit, il a... Oui. Et alors celui-ci, il sait quoi? Maman. Ah, il est parti. Comment il sait qui? Je sais pas. Mais c'est. Ils n'ont pas que qui au dos. Avec ça. Ça me dit, c'est le truc qu'on aurait dit. On avait 19-2, on a 22. Ah, c'est du pied avec quelque chose. Il y a quelque chose en dessous du pied. Deux secondes. Hein. Bouge ça. Tu connais pas. Là, je fais un petit air froid. Comme si on me souffle dans la paume de main. Et l'autre, non, le dernier. Tu bouges pas. Si j'ai téléphoné, tu ne saurais pas y arriver. 20 degrés de pile. Ça se passerait pas. Tiens, j'ai fait tantôt. Dis-toi. Bouge. Non. Par là, tu me téléphonais ou tu vas sortir. Tu es à la prison. Non. Là, je sens ma main gauche. Un petit vent, tu vois, un petit truc qui a rien du tout. Ouais, bah il y avait un peu. 19,9. Tantôt il y avait. 19,8. 19,7. Ça bouge à côté, juste à côté. Ouais. C'est dingue, hein, ouais. Faut comprendre quand même. Hein, ce... Stabiliser 19,7. 19,8. 19,9. C'est le squelette. 20. De Rob Dunn. Quand même bizarre. Stabiliseur 20. Montre-toi, Gustave. Je sais pas si c'est la lumière qui fait ça, regarde mes mains, elles sont rouges. 20. Après, Jonathan. Non. Touche la main de Jonathan. Si. Mais j'ai déjà remarqué ton tout côté de l'eau. Ah, j'ai pas les mains comme ça. 19,7. Bon. 19,8, 19,7. Regarde, ça fait tous les points blancs sur ma main, regarde. Ouais. Sur mes mains, tu vois? Ouais.
l'air partout, entre les deux. Ouais. C'est bizarre. C'est blanc et rouge, ma mère est rouge. Et il y a un peu du bleu là. Bah ouais. 19 en fait, il prend ton. Ouais, c'est. Ah, peut-être qu'ils sont en train de me. Ah non. 19-6. C'est vrai, ces mains sont un peu violées. Ah ouais? Ouais. Je les trouve rouges. Là, j'ai rien à savoir. Il y a encore, là, ils sont rouges. Mais là, regarde, ça fait blanc et. Ouais, ouais, ouais. Un peu de bleu. Ça fait tous des points. Des points, ouais. Ouais, c'est bizarre, monte un peu. Ouais. Bien, ah ouais, ouais. Mais il et chant, c'est comme si on pompe en fait, tu vois. Bah ouais. C'est comme si on prend de l'énergie, tout comme ça. Là, je suis comme ça, ou demain, je me sens. C'est pas un membre de ta famille qui essaye de rentrer en contact avec toi? Est-ce que... Possible. Bah oui. Parce que tu m'as dit comme ça, tu ressentais quelque chose, il y a quelque chose. Ouais, ouais. Donc, ça... Ouais, hein. C'est pas où. Tu le verras, hein, de toute façon, quand Fifi aura fait toutes les choses, là. Hein. Bon, regarde, la différence entre les ça disparaît, ouais. Regarde, c'est moi qui l'ai touché. Ah, ouais. Et lui, ça va mieux, regarde là, tout là. Ouais. C'est dingue, hein. Regarde. On dirait qu'il a mis sa main. Ouais, elle est violée, blanc, regarde. C'est bizarre. Là, je l'ai vu qui change, là. Ah, bah ouais. Et c'est ici, hein. C'est mes mains, j'ai rien. Mm-hmm. Donc, c'est pas parti. 19-4. Ouais, c'est ça, c'est froid. 19-5. Mais on dirait que ça recommence. Regarde ta main. Ouais, ouais, ça recommence, je le sens. Quand on était en 20,2. Ouais. Maintenant, t'as 19,6, donc toujours le même. Là, je sens mes deux mains. Je sens du froid, tu vois. Il y a de l'air froid, de toute façon. Et c'est comme si je me sens. Ouais, c'est dingue, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Et tout à l'heure, t'as vu quand t'as mis tes mains entre les miennes? On a dit on sentait un battement, là. Ouais. Et mes mains, ils étaient chaudes, ils étaient normales. Sors-tu à côté de moi. T'auras peut-être, dans un futur très très proche, contact avec ton papa en réel. Ouais. Et là, on aurait dit tout à l'heure quand il mettait sa main, moi je sortais, on aurait dit ça avait comme si j'avais un cœur dans les mains. C'est... Et moi, ça battait de chaque côté. Ouais, ça battait de chaque côté. Ouais. Dingue. Ouais, c'est bizarre. 19,5. Encore baissé un peu. Hein. Mais on voit c'est que. Là, je mets mes mains comme ça, on dirait que ça s'échappe du froid en fait. Mmh. Mais non, de toute façon. 19,4. La violine, j'ai jamais fait si froid. C'est bien. Et quoi, pète-toi. Mais ça fait mal à moi. Tu le sens? Ouais, je le sens. Moi, je sens que c'est. Il y a du froid qui s'échappe de mes mains. Mais ouais. 19,3, 19,4 maintenant. C'est chaud. Elles sont chaudes. Bah, c'est touché, je m'en appelle. C'est toi qui prends tout. C'est moi qui prends tout. Ouais. Et elle est toute versée. Mais c'est voilà. Par là. C'est par là, sur le bâton. 19,4. Tu vois rien, fille. C'est dingue. Et je le sens, mes mains. À 1,5 degré, c'est énorme. Tu veux venir te faire ici, pour un peu chaud. Il va jusqu'à 19. 7 dixièmes. Regarde, quand tu t'es levé, on te suivait. Descends jusqu'à 19. Va jusqu'à 19. Ah, je vois deux trucs à côté de toi, Jonathan. Ben, mais chaque main, on dirait que ça. On dirait que c'est comme si j'ai de la chaleur qui s'évapore. Ouais. Ouais. Du côté du. Et là, je sens plus fort à la main gauche. Descends jusqu'à 19, s'il te plaît. Descendez encore. Attends. Descendez encore. Attends. Descendez encore. Attends. Température. Et je viens de voir une orbe. Ouais. Ouais. Non, mais j'ai vu la clarté de l'orbe, moi. Attends, mais c'est vrai, regarde. C'est près de Luigi. On dirait qu'ils sont deux maintenant. Il y en a deux. Hein. Il y en a un près de la boîte à lait et un à côté, juste à côté du. C'est un ami qui leur donnerait de l'énergie. Comme ouais, ça. Il y en a deux. Si, possible. Ça, c'est vrai. 19,6, 19,5. Regarde celui-ci, c'est qui ça? Je sais pas. Il y en a un sur la table. Il y en a qui est bien ta table. Ah, mais quelquefois, regarde, c'est ça. C'est dingue. Ah, c'est parti. Non? Lui dit, tu l'as fait. Oh non. C'est qui non, ça? Non, c'est Jonathan. Ça, tu m'entends. Mais voilà, ben maintenant c'est bien là. Ah, parti, il est parti. Parti. Il était près de moi. Moi je sors mes mains. 19,6. Il était près de. Ça bouge. Elle est en train de se battre, mais on sait quoi. Non, c'est Luigi qui met sa tête. C'est dingue, quand même. Pareil, il est sensible, quoi, mine de rien. Mais il était bien à côté de toi, j'entends. Ouais, il y avait quelque chose à côté de toi. Bien, quoi. Mais moi, je le sens là, je le sens moins. Ça s'apaise. 19,5. Il y avait quelqu'un à côté de toi.
Tu filmes, là? Hein? Tu filmes? Ah, ouais. D'ailleurs, moi, mon corps. Oh, putain, ouais, en fait, c'est chaud. Il y a que mes mains qui sont froides. Il n'y a que ma pompe. Tu as pompé toute ton énergie. Non, non, non. Tais-toi. La différence. Au-dessus de ma main, il est chaud et en dessous, il est froid. C'est bizarre. Hein. Moi, je ne vais pas dire que j'ai chaud. Mais moi, je mets les cheveux en fraîche. Maintenant, ils sont brûlants. On a mis qu'à terre faire avec le bazar. Ouais, du bon rire. 9,5. Non, s'il y avait la chose à côté de toi, c'est lui qui faisait des ouais, c'est bon. Ah ouais. Nous, le son de température est long. C'est pas long. Ouais. 19,3. Quand j'avais froid, c'est ce que je disais. À mon avis, t'es mort, elle ne poussait pas encore. Les fleurs sont trop chères. Refait. Allez. 19,6, 19,7, tu rigoles ou quoi? C'est vrai, moi. Bah, il remonte. Il est en 19,2. 19,2, 19,8. Je peux essayer, moi. C'est moi qui l'a fait descendre. Non, mais pour voir s'il n'y aurait pas. Là, moi, j'aime bien tester, pas... voir. La sonde est ici. Elle est ici, moi, je l'ai fait là. Lui, lui me semble alors. Donc, il n'est pas porté par là. Là, je ne suis pas porté par là. Qu'est-ce que je dois faire alors? Bah, regarde, il remonte chez la sonde. Non, moi, je ne l'ai pas touché. J'ai mis ma main là. Tu ne devrais pas jouer comme ça, non? Je mets ma main où? Ben, moi, je lui l'ai mis là. Et là, il monte là, non? Non, non. Non, il va descendre. Oh, t'as tes mains mortes, hein? Il monte en 8, 13, ah, 7. 6. 6. 5. Ah, je viens de voir une orbe hein, près du, de la brève, près du. De la lampe. Elle partait en dessous. En bas. En bas. Bah, c'est la même chose. T'as un main chaud. Toi, ah, il y a quelqu'un. Il y a 19,4. Il y a quelqu'un au trépied. Ouais, et t'as un trépied. Juste en dessous. Et là, 19,3. Et tu rigoles ou quoi? Tu veux voir qu'elle est là, comment que c'est? Je l'ai vu. Il est encore là comme ça, mais là, pour voir ce que c'est. Tu veux voir, c'est un squelette en. Je sais pas comment te dire. 19,5. Il a été jusqu'à 19,3. Il y a deux. Non, si ah, ils sont deux maintenant. 19, il y en a deux? Oui, il y en a un qui se bat, on dirait. Je suis bon sur le. Et il y en a un qui est juste. Je te le dis, moi. Je te dis qu'ils sont à 3 hein, ici. Et là, 19,3. Il remonte à 19,4. Ouais, moi je te cours. Moi je le sens, hein, comme un pomme. T'es chaud. En dessous, je vois. Il y en a qui se bat là sur la table. Regarde. Je suis en train de découvrir un truc ici. Il y a deux entités. Ouais. Il y en a. C'est, donc ici c'est sur la gauche, donc c'est sur la droite. Parce que c'est inversé. Ouais, ouais. Il y en a un qui essaie d'aller. Il y en a un qui essaie d'aller avec sa main sur la caméra. C'est complexe, hein. Et t'en penses quoi, Martine? Regarde. Ah, t'as vu, non? Oui. Comme ça, tu verras un peu comment c'est. Oui. Juste une orbe de bande. Regarde. C'est... Hey, je vais marcher à 19,3 le truc. Hein. Ouais, y'avait pas la lampe. Y'avait pas la lampe, toi. 3, ouais. Hey, il reste juste toi, tout une à l'heure. De la lampe et une qui si c'est sur la gauche mais c'est sur la droite en réalité. Il y a 19,3, il reste à 19,3. J'ai enlevé ma main pour voir s'il remonte. Pour l'instant, regarde, je le laisse bloquer à 19,3. Pour voir, 4, il va remonter. Là, il remonte. Il faut laisser remonter. On va regarder. Ouais. Il y en a un qui bouge, mais l'autre, il bouge pas. Non, il bouge pas, il reste... Non, ça va encore. Et c'est de l'autre côté de Jonathan, donc c'est même pas le squelette de Jonathan. Hein. Non, mais et tout le monde est près de moi, donc... Attends, je vais regarder, c'est intéressant quand même. Moi, je suis une femme curieuse, hein. Je me mets un. Mon Dieu Seigneur. Ils sont de nous. Ils sont là. On est là. Oui, sur la table. Attends, je vais monter pour lever. Vous pouvez lever les bras. Ah, ça y est, Jonathan. J'ai le squelette de Jonathan. Ouais. Vous pouvez lever les bras. Comment ça se fait qu'il a... Ben voilà, t'as vu, ça y est, il l'a fait. Lève le bras. Ah, t'as vu, ses bras en l'air. Voilà, regarde, ouais. Allez, les deux bras. Tu veux toucher ma main?
Gaga, lève tes deux bras. Il a tout devant, tout sur lui. Gaga, il a mis les deux bras. Touchez la main, Jonathan. Touchez ma main. Touchez sa main. Il n'y avait pas ça partout. C'est ça qui fait froid ici. Oui, il y a froid aux mains. T'as froid aux mains? Non, pas tout. Il s'est remis en face. T'as vu quand il y a quelqu'un qui se met devant. Eh, 19-9 d'un coup. Non, c'est maman, j'ai mis maman. Voilà, bah t'es chaude. Bah t'es chaude, t'as compris. Bah ouais, mais bon, on peut rire. On peut faire un petit moment de. Ouais. 19, je sais pas si c'est pas mal. 19-5. T'as ta chair de poule. T'as froid? Ouais, mais bah, ouais, c'est un deux. Depuis tout à l'heure. Ouais. Je dis. Ouais. Il y en a un qui toi, se cache. Toi, tu as. J'avais froid. Chaud. J'avais froid, j'avais chaud, puis maintenant je recommence à avoir froid. Ben, je te dis, ils sont à trois, mais il y en a un qui veut pas dire son nom et tout, et ça m'énerve. Ah, c'est pas Jonathan, ce que Gab, quand je me bouge. Ben non, j'ai dit de lever le bras, il a levé le bras. C'est parti. Je pense. Il n'y a plus personne, donc. Ça ne descend pas, moi. C'est pas le squelette de quelqu'un d'autre. C'est donc moi. Non, non. Parti. 19-6. Je suis chaud. Bon, maintenant, ça apprend à... Il est pas ouais, assez... bien sûr, ouais. Bon. On n'affirme rien. Non, voilà. En boxe, on ne peut pas. Ouais, on n'affirme rien. Ben bon, voilà, c'est quand même... Bah, même là, c'est troublant. Je mets une main sur le bazar, c'est quand même étonnant. C'est troublant. Et il y a presque un degré que j'ai mis en dessous. Je pense vraiment de truc troublant. Mais je sens le froid arriver en dessous de ma main. Regarde une fois, Joe. Parce que je vois pas bien. Ouais, bah, je suis pas moi. 19-4. Est-ce que tu devrais faire qu'on aura purifié la maison? Retourne pas dormir dans ta chambre. Je vais te donner quelque chose. Je te dis qu'il y a un froid qui arrive sur mes mains. Ouais, bah ouais, c'est ça. J'ai ma main qui commence à geler, là. Et ça baisse. D'origine, donc, ça veut dire quoi, ça? Ta religion, c'est la tienne, je sais pas. Tu étais élevé dans la religion catholique. Ouais. Non, non. Après, tout ce que tu as eu. J'ai arrêté un petit peu, parce que c'est normal. Venir, vous, hein. Ouais, ma tête, elle est chaude. Mais mes mains. Tiens. Voilà les amis, après plus de 2h30 d'enquête chez Martine, nous décidons d'arrêter l'enquête pour passer à la purification de cette maison. Et comme vous l'avez pu le comprendre, durant le long de cette enquête, c'est bien d'ordre familial. C'est pour cela que tout restera privé, bien sûr, en respect de cette famille. Et comme à notre habitude, à la fin de cette vidéo, vous aurez la galerie photo des résultats que nous aurons eus durant cette enquête. Et je voulais tout spécialement remercier Martine de nous avoir fait confiance. Merci. J'espère que vous aurez aimé cette enquête. Et je vous dis les amis à très très bientôt pour de nouvelles aventures.